l'aventure finie, les gars. Franchement, je suis épuisée. J'ai hâte de rentrer chez moi demain. J'ai hâte de revoir mes amis, mon chien, voilà, ma famille. J'ai passé une aventure exceptionnelle, vraiment. J'ai hâte que vous voyez tout ça. Bon, les gars, je prends un moment parce que ça fait à peu près 2 semaines et demie que j'ai pas pris mon téléphone. Là, du coup, je vois des trucs sur les réseaux sociaux. Je vois que les gens prennent la parole derrière mon dos. Ça commence à m'inventer des vies, ce genre de choses. Du coup, moi, je vais être calme. J'ai même pas envie de parler parce que si je commence des dossiers, j'en ai. Et franchement, j'ai même pas envie de rentrer dans ça. C'est ridicule et puis c'est puéril. Mais quand on dit que oui, je suis une fille qui écoute dans tout Paris, qui sort, qui est célibataire, qui est ceci, qui est cela. En fait, je suis majeure et vaccinée, c'est-à-dire que je fais ce que je veux. Après. Connu dans tu Paris, encore heureux. Depuis que j'ai mes 18 ans, je danse, je suis chorégraphe, j'ai travaillé avec pas mal d'artistes, j'ai travaillé avec des modèles, j'ai voyagé, je connais énormément de monde et ça, c'est dû à mon métier. Donc, du coup, ça, je vois pas pourquoi ce serait un problème. Ok? Et ensuite, de dire que moi, j'influence certaines filles qui sont en pré-couple, célibataires, mais encore amoureuses de leur ex ou j'en sais rien, à sortir, à aller au restaurant ou ce genre de choses. Moi, j'influence personne. J'estime que les personnes avec qui je traîne dans ma vie sont majeures et vaccinées aussi, sont assez lucides pour savoir ce qui est bien, ce qui est pas bien. Personnellement, je vois pas où est le mal de sortir et aller manger un bout avec sa copine. Mais bon, s'il y a des mecs qui trouvent ça fou et qui trouvent ça vraiment déplacé, c'est leur dos, d'accord? Je n'ai jamais ramener une personne de mon entourage dans des lieux bizarres ou cocasses. Même moi, je ne sors pas en boîte déjà pour commencer. Je ne vais... Bref, on a été coupé et du coup, je disais que même moi, je ne sors pas en boîte. Tout mon entourage, vous êtes tous au courant que moi, les boîtes de nuit, c'est pas mon truc. Je préfère être avec mes copines à la maison ou aller manger un bout, mais ça s'arrête là. Donc voilà. Et du coup, vous allez me demander c'est quoi, c'est qui, c'est quand, c'est où. J'ai même pas envie en fait. J'ai même pas envie de rentrer dans ça. Vous allez voir, hein, parce qu'il y en a qui vont s'exprimer sur des plateaux de blogueurs ou ce genre de choses pour essayer de me descendre. Or que franchement, les personnes qui prennent la parole, vraiment, si on commence à parler de leur cas, de ce qu'ils font dans leur vie, de ce qu'ils ont fait, on n'en a pas fini. Mais on n'ira pas dans ce terrain-là. Hein. On va être gentil. Et voilà. Comme je disais sur Snap, j'ai passé une journée vraiment exténuante. Je suis explosé, je suis fatigué. Je me suis levé super tôt et toute la journée, on n'a pas arrêté. On n'a pas arrêté parce que il y avait du taf et en même temps on s'installait dans notre nouveau chez nous. On s'est enfin installé. On a enfin trouvé notre maison qu'on désirait tant. Donc je suis super content. J'ai ma salle de cinéma, j'ai ma salle de sport, mon jacuzzi, ma piscine, mon jardin. Même pour les chiens, c'est très important. Ils ont leur jardin. Et kiff. Regardez mon petit livre. Paco, montre comment t'es beau. Montre comment t'as son masque. Montre comment t'es beau. Oui, toi aussi t'es beau. Toi aussi t'es beau, mon Liki. J'ai ses bagages, d'être chez soi, définitivement, pouvoir déballer toute sa valise, avoir son propre dressing, que toutes les chemises soient bien rangées, bien repassées, que les affaires propre soit d'un côté les affaires sales. Enfin, ça fait vraiment du bien. Vraiment, vraiment du bien. Donc, pour le coup, c'est vraiment un nouveau départ. Et il y a tellement de choses à accomplir, tellement de choses à faire. Donc, voilà. Alhamdoulilah, grâce à Dieu. C'est très important, je vous jure, d'avoir son chez-soi, se poser, respirer. Ça fait vraiment du bien. Ichi, sit. Paco, pas bouger. Tiens, Paco. Good boy. Ichi, pas bouger. Sit, Ichi. Non. Good boy.